Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Pascal Popelin. Monsieur le Président, notre collègue Geoffroy, Geoffroy, excusez-moi, la fatigue, a regretté que notre rapporteur ait employé le terme de texte adopté au forceps pour le conseiller territorial. Moi, je crois quand même que d'un point de vue politique, l'expression des différents collègues de notre commission, membres de l'opposition, donc de la précédente majorité, vient quand même de faire la démonstration que ça n'avait pas été simple. D'un point de vue juridique, je veux bien entendre les regrets sur l'usage de la procédure accélérée. Je peux les partager, voire l'ironie sur les déboires qu'un certain texte a pu connaître devant le Conseil constitutionnel pour un problème de forme. Mais il ne faudrait quand même pas oublier que la loi instaurant le conseiller territorial, elle a en la matière battu des records avec deux censures du Conseil constitutionnel consécutives, le 9 décembre 2010, puis le 23 juin 2011, ce qui n'est tout de même pas banal. Alors, pourquoi ce texte est à ce stade seulement ce texte-ci? Nous avons eu le débat au sein de la majorité, c'est vrai. Et c'est précisément le souci de respecter le Parlement qui a conduit à faire le choix d'inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée cette proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat en novembre 2011 dans un contexte politique quelque peu différent, vous en conviendrez. Et puis cette solution présente au moins l'avantage de permettre à certains de nos collègues de l'opposition de pouvoir exprimer de nouveau librement l'opposition qui est la leur au conseiller territorial sans forcément devoir approuver demain ce que nous ne manquerons pas de proposer pour la suite. Alors il n'y a pas tant d'incertitudes que cela en la matière. D'ailleurs, les états généraux de la décentralisation et les conclusions qui en ont été faites par le président de la République donnent quelques indications sur les intentions de l'exécutif, et en particulier pour le scrutin départemental, puisqu'on règle le problème du scrutin régional par cette abrogation et le rétablissement d'un mode de scrutin qui est le mode de scrutin antérieur, décidé d'ailleurs par votre propre majorité en 2003, je crois. Donc, états généraux de la décentralisation qui, du point de vue d'un scrutin départemental, indique que la volonté de l'exécutif et de la majorité, c'est de concilier ancrage territorial qui, de notre point de vue, sied aux conseillers départementaux, mais de faire aussi en sorte que la parité gagne enfin ces assemblées départementales qui sont le dernier endroit où, depuis qu'on a mis en œuvre au début des années 2000 la question de la parité, ce progrès n'a pas pu être réalisé. Alors, si par extraordinaire la conciliation de ces deux objectifs qui me semblent être essentiels conduisait à la proposition d'un scrutin binominal, moi, je vous avoue que les inquiétudes qui ont été formulées tout à l'heure sur ce que seraient les relations entre différents élus me laissent complètement dubitatif. Alors, cette idée que deux élus automatiquement se marcheraient sur les pieds, voudraient l'un passer devant l'autre, etc. Mais enfin, mes chers collègues, ça existe dans des élus qui sont élus sur une même liste, d'un même parti. Et je me demande, je terminerai pour conclure sur cette note un peu légère, si ce n'est pas finalement le contexte interne actuel de l'UMP qui vous amène à croire qu'effectivement, des candidats qui sont ensemble ne pourraient plus ensuite travailler ensemble. Merci beaucoup.